reborn. Bonjour frères et sœurs, bénédiction sur bon. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il y a un conflit qui est né entre spiritualistes, entre deux spiritualistes. L'un est du Ghana et l'autre est un pasteur du Nigeria. Quand Tibi Yeshua est mort, ce spiritualiste du Ghana a ouvertement dit que c'est parce que Tibi Yeshua l'a attaqué spirituellement qu'il est mort. Ouais. Genre pour dire que c'est lui qui a tué Tibi Yeshua en esprit. Et ce pasteur est venu pour dire, mais comment est-ce que toi tu peux nous dire que c'est toi qui as tué Tibi Yeshua? Pour qui te prends-tu? Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir comme un poulet. Ah, et récemment, ce même pasteur avait dit qu'il avait vu ce monsieur en rêve. Donc ce monsieur avait visité l'esprit. Et lui, il a attrapé son esprit. Donc ce monsieur, ce féticheur, va tomber malade. Et il risque de mourir dans ça. Ce qui a suscité la réaction de ce spiritualiste que nous allons vous montrer à la fin. Et dans cette réaction qu'on a découvert hier, on peut voir clairement que ce spiritualiste nous a montré son vrai pouvoir. Cette vidéo va apparaître à la fin ici. Ne vous inquiétez pas, ça va apparaître à la fin de cette vidéo sur l'écran. Et voici que le pasteur est ressorti encore pour parler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit, c'est simple. Il a tout simplement dit que il n'a pas besoin de monter son pouvoir avec ce spiritualiste. Tout ce qu'il demande à ce spiritualiste, c'est de donner sa vie à Christ. De donner sa vie à Jésus. Allons voir ça au studio. Prenez votre natte et asseyez-vous. Ah, père. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Tout se passe ici. Ici, 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 ici là. Tiens. Hein? Depuis la mort de Tibi Yeshua, voici ce qui se passe. Au lieu d'aller réveiller le mort, hein, ils sont en train de bavarder ici. Ils veulent nous montrer leur puissance. Regardez. Regardez. Hein. C'est le spiritualiste qui est ici, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est le pasteur qui est là. Tibi Yeshua est déjà connu, il est déjà mort. Il a cherché à faire ses funérailles pendant que ces deux-là sont en train de bavarder sur son corps. Hein? Voici le pasteur. Et ce pasteur a des choses à dire. Écoutez. I heard that Nana Bosam did a video saying a lot of things and we are not here in competition. Il dit qu'il a vu ce féticheur-là dire à côté des histoires. Il dit, nous ne sommes pas ici en compétition. The verdict has been made. You will die like a chicken. But again, I want to give you an opportunity, Nana, to give your life to Jesus Christ. Il dit, vraiment, si tu continues, tu vas mourir comme un poulet. Mais je vais te donner une opportunité de donner ta vie à Jésus. Jesus is what you need. You don't need this nonsense in the bush. Tu n'as pas... Jésus-Christ, c'est ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de ce que tu as sur toi là-bas. You don't need the trees to shake. Tu n'as pas besoin de remuer les arbres. You need Jesus Christ. Tu as besoin de Jésus. To accept Jesus. Just let him come into your heart. Your judgment is based on your salvation. Jesus loves you. Il dit Jésus t'aime. And he wants to save your life. It doesn't matter how deep you've gone. Christ wants you saved. So now I'm speaking to you. Vous voyez ça? Le Seigneur dit, tu m'as provoqué. Tu m'as défié, tu dis que je vais mourir comme un poulet, non? Tu vas voir. Moi, ça tenait à ce que. Ça tenait à ce que le pasteur aussi vienne pour faire sa magie. Il ne veut pas faire sa magie. Il ne veut pas faire démonstration de puissance. Hein. Il vient pour bavarder. Il dit non. Écoute. Toi, tu as besoin d'aller à Jésus-Christ. Le Seigneur dit que toi et lui, vous avez la même bague au doigt. Regardez les gars. Il dit que vous deux, vous avez la même bague, vous venez du même endroit. Vous savez le même maître. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne dis rien. Mais là, Tibi Yeshua là-bas, il est mort. Vous n'allez pas le ressusciter. Vous venez nous montrer que vous avez le pouvoir. Regardez ça. Ceux qui ont regardé ça hier peuvent nous dire ce qui s'est passé ici. Ici, le Seigneur a la tête des... Enfin, il faisait trembler l'arbre, quoi, et ses feuilles. J'ai le pouvoir de contrôler.
L'arbre, un arbre. To shake it. Ah. Et vous voyez, au côté là, il peut faire ça que l'arbre puisse se remuer. A power to control a tree. To shake it. Nobody is the top of the tree. See, if there is somebody is the top of the tree, tell me that I'm lying. If you know, if you see somebody is the top of the tree, I want the world to see the person I am. Je veux que le monde puisse voir la personne que je suis. I want to show them my powers. Je veux vous leur montrer mon pouvoir. I want to show them my power that God has given to me. Je veux leur montrer le pouvoir que Dieu m'a donné. I want the world to see if somebody is the top of the big tree. See. Regardez s'il y a quelqu'un sur les arbres. I want people to see if somebody is on the top of the tree. See. Je veux que vous puissiez voir s'il y a quelqu'un sur l'arbre. Is there anybody on the top of this tree? Who is the top of this tree? This is a big tree. I want people to see. I want people to see. I want people to see. Je veux que les gens puissent voir. Je veux que les gens puissent voir. And this pastor is standing in Nigeria. Et ce pasteur qui est arrêté au Nigeria. Talk nonsense. Dit des choses insensées. Talk bullshit. That he got my soul. Il dit qu'il a attrapé mon âme. Moi, il dit, il a tapé mon âme. He got my soul. He got me my soul. I will deal with this pastor. Je vais finir avec ce pasteur. I will deal with you. Je vais finir avec toi. You say I'm going to die. Tu as dit que je vais mourir, non? I'm going to be sick. Tu as dit que je vais tomber malade, non? I will deal with you spiritually. Je vais finir avec toi spirituellement. I will deal with you. I will deal with you. I will. Hey, salak kabala leba. I will tell you, I will show you my powers. Je te dis, je vais te montrer mon pouvoir. You pastor, Nigeria pastor. Toi, le pasteur du Nigeria là. Look, I will show you my powers. Je vais te montrer mon pouvoir. I will show you my powers. Me, I will deal with. I have 366 words. Moi, j'ai 366 esprits. Et c'est face à ça que nous avons entendu le pasteur là raconter ses histoires. Calme. Tout calme. Vous avez vu ça? Les gens qui ont 366 esprits, hein? Ils ne peuvent pas réveiller une seule personne. C'est-à-dire, type Yeshua. Type là-bas est couché, non? Pourquoi vous ne pas tes esprits aller le réveiller? Comme tu dis que tu l'as tué, là, va le réveiller en même temps, là, on voit ce que tu fais. Personne d'entre eux ne peut révéler du Yeshua. Mais ce sont eux qui viennent se lancer des défis sur les réseaux sociaux ici. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait même? Matin bonheur là. Qui va gagner? Ça, c'est la question que nous, on se pose. Apparemment, ce pasteur, lui, a le même pouvoir. Ils utilisent la même bague. Mais cette spiritualité dit qu'il va lui montrer ce qu'il n'a jamais vu. Chez nous, quand un sorcier te dit, tu vas voir, il faut te préparer. Mais de la manière, le gars a dit, il va lui montrer son pouvoir. Il va lui montrer quelle puissance il a. Qui va-t-il se passer? En tout cas, regardez bien le visage de ce pasteur. On ne sait jamais. Regardez très bien son visage. Ça va être chaud. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez quoi que ce soit. C'est parti.